that will not be denied. Restez bien calé dans votre fauteuil, car un match spectaculaire s'annonce entre ces deux équipes. Les joueurs vont être poussés par la pression et la passion des supporters et nous offrir un spectacle mais immense. Ça y est, restez bien calé dans votre fauteuil. Le match s'annonce énorme. Ambiance de fête dans le stade, de part et d'autre, les supporters donnent de la voix. J'espère que les joueurs seront au tempo. Pour Timosiuk. La balle change de propriétaire. C'est bien de partir en contre. Encore une belle occasion. Le ballon a été touché par un défenseur, corner. Il envoie au milieu de la surface. À nouveau une tête. Le goal la bloque. Timosiuk. La faute est claire, évidemment. Bon, qui va le tirer? Timosiuk. Bien joué. Le gardien a touché la balle, corner. Il arrive devant le nez du gardien. Il a dégagé. Bonne action, le ballon est récupéré. Pressing super efficace. Le tir est décoché. Allez, il y est presque. Magnifique passe en profondeur. Superbe interception, à mon avis l'attaquant est écœuré. Ils ont toujours le ballon. Timosiuk. Et Timosiuk. Encore une occasion de centrer. Un ballon repassé en arrière. Bon travail et bonne possession du ballon. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Ils peuvent construire quelque chose. C'est un défenseur qui récupère le ballon de façon admirable. Duel remporté par le défenseur.
c'est un ballon gagné. Le ballon passe au-dessus, c'est bien trop. Ah ouais, il a raison le gardien, il faut qu'il bouge les défenseurs, il laisse trop jouer, il faut qu'il monte en pressing sur les attaquants. Oh, c'est mal joué, c'est encore trop loin du but. Et pourtant, il me l'avait dit avant le match qu'il allait tirer de partout et qu'il allait faire des frappes en me tuant. Voilà. Bien joué ici. Bien vu, bien joué. Il a intercepté la passe. Il n'a toujours pas perdu le contrôle du ballon. Encore une belle occasion. Attention, il frappe. Ça, c'est pas dangereux, ça passe trop loin du poteau. Ça, c'est vraiment la frappe ratée, alors je pense qu'il avait le temps. En plein milieu de la défense, bien joué. Partir en contre, c'est toujours payant. Il entre, balle au pied dans la 16. C'est trop loin du poteau gauche. C'est impossible de marquer de là, l'angle est trop fermé. C'est un bon travail défensif. Il reprend le ballon maintenant. Monsieur. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Il donne le ballon au portier. Il tire. Et but. Fantastique. Il marque en début de match. Oh, que ça démarre mal pour les adversaires qui sont littéralement assommés. Et déjà que c'est un bon buteur, c'est en plus qui lui fait des cadeaux. Je ne sais pas ce qui arrive au gardien aujourd'hui. Mais j'irai quand même lui demander après le match. La foule semble extrêmement mécontente. Elle ne cache pas sa déception. Ils ont ouvert la marque, 1-0. Ah là, ça va rassurer l'équipe et réjouir l'entraîneur. Il en faut la différence, je ne serais pas surpris qu'ils continuent d'attaquer et d'essayer de marquer un second. C'est le bon moment. C'est un ballon bien rendu. Van Gessel. Il va pouvoir marquer. Réception de la longue passe. La défense a récupéré le ballon. Il frappe de toutes ses forces.
Il reprend le ballon. Tactiquement, sa joie c'est bien, mais maintenant l'essentiel c'est de marquer un but. Et Timoshchuk. Ce contre peut amener très loin. Le goal sort et capte le ballon. Puis Vasto. À travers la défense. Il va marquer. Il est hors jeu, il faut être bien placé sur le terrain. Jeu. Les défenseurs vont pouvoir respirer. Timoshchuk. Alors, faute ou pas faute? Eh ben non, il arrive. Le portier est bien présent, il a le bon geste. Il choisit de jouer long. Bon travail et bonne possession du ballon. Puis Vasto. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. Très bonne inspiration sur cette passe. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. Vasto. Très bonne amortie sur cette longue passe. Attention au positionnement, il est hors jeu. Joli décalage. L'adversaire est sous pression avec cette touche. Nouvelle occasion de centrer. Il sort de ses cages et le ballon atterrit directement dans ses mains. Faut dire une balle de golf, c'est trop faible. C'était bien d'essayer une frappe comme ça, mais bon, c'est le genre de frappe qu'on ne marque pas tous les jours. Il renvoie le ballon au portier. C'est une frappe. Le but est marqué. Le but est valable. Il double la mise au cours de cette première période. C'est vraiment bien joué.
travail. Dans la surface, ce genre de joueur, il se jette sur tous les ballons comme un mort de faim. C'est un renard des surfaces.2-0, c'est vraiment une bonne avance. Bah, il semble sûr de même devant le but. L'entraîneur voudra sûrement qu'ils continuent, qu'ils attaquent et qu'ils marquent un troisième. Ça renforcerait leur moral de rentrer au vestiaire avec 3 buts d'avance. Pour Timosiuk. Au niveau du jeu, c'est un vrai régal. Le ballon circule vite, les joueurs sont en place. En face, ils vont commencer à souffrir. Trente minutes à l'horloge dans la première mi-temps. Non, la charge n'est pas bonne, dit l'arbitre. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. Il peut provoquer le gardien. Encore une belle occasion. Lui au moins il tente. C'est dégagé. Ils vont peut-être marquer une nouvelle fois sur cette action. Il est dégagé. Oh, il est joli ce ballon. Oui, la demi-volée. Un peu trop dévissé à droite. Oh, ça, c'est une reprise de volée. Hein. Le geste parfait. Dommage qu'elle soit passée à côté. Le gardien avance et saisit la balle. Timosiuk. Ils repartent de l'avant. C'est la seule solution pour espérer que cette rencontre ne soit pas encore terminée. Belle passe. Ederson. Si ça gagne pas, ça débarrasse. Le ballon est expédié en touche. Il essaie de marquer. Corner. Excellent travail de pressing de la part de la défense. Ballon aérien. Une solide défense ici. Le ballon est pour l'autre équipe. Encore une occasion de centrer. La menace est écartée. Timosiuk. Bien vu. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Nouvelle occasion de centrer. C'est une remise en jeu. Va-t-il frapper? Il veut marquer. C'est le défenseur qui a le dernier mot.
Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Timosiuk. Récupération du ballon. Ça peut donner quelque chose. Bien. Et là, le gardien était complètement battu. Heureusement qu'il avait son poteau. Il peut aller l'embrasser fortement, je vous le dis. Nous nous approchons des dernières minutes de la première mi-temps. Sans danger pour le goal. Long ballon aérien. Il l'emporte dans ses duels aériens. Le goal sort et capte le ballon. Van Gessel. Excellente tête. Oh, il est joli ce ballon. Il vise la cible. Beaucoup trop dévissé à droite. Ah, le gardien est resté droit jusqu'au dernier moment. Il a pu déjouer dans le dernier geste. Le danger est écarté. Il a mis le pied sur le ballon. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Bon travail et bonne possession du ballon. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Ederson. Pour Timosiuk. Ça, c'est vraiment du bon football. Le ballon circule bien au sol ou dans le domaine aérien. En face, ils sont perdus. L'arbitre a regardé son chrono. C'est quasiment la fin du temps additionnel. Bien joué ici. Van Gessel. Encore une belle occasion. Le déclic, ce serait un but, mais ça ne vient pas. Coup de sifflet, c'est la fin des 45 premières minutes. Ils ont fait preuve d'une véritable qualité avec et sans le ballon. Et tirant la défense à... Deuxième mi-temps et nous voilà repartis pour 45 minutes de football. C'est toujours bien d'écarter le jeu au maximum. Il tire. Le gardien a remis de l'ordre. Ils ont coupé la trajectoire. Encore une occasion de centrer. N'arrête pas d'attaquer, c'est un vrai régal. Ils vont... Oui, il était bien hors jeu, bien vu l'arbitre assistant. Je vais pas. L'attaque ne donnera rien. Bonne reprise du défenseur.
Encore une belle occasion. Il était bien placé pour l'intercepter. Autour du goal de jouer. Oui, la demi-volée. Et il expédie au-dessus de la barre. Et heureusement, ils ont deux buts d'avance, hein, parce qu'à force de tirer dans les tribunes, ils vont blesser un spectateur. Le ballon est toujours pour eux. C'est pas si mal, mais ça passe à côté. Même si ça ne réussit pas tous les jours, c'est le genre de frappe qu'il faut tenter. Au moins, ça fait reculer la défense. Ederson. Et la frappe part complètement à gauche du poteau. Ouais, c'est mal défendu, il faut monter plutôt sur le porteur du ballon. Sinon, tu laisses l'espace et le joueur, il peut frapper. Bien vu. Ederson. Il essaie de la tête. Là, c'est carrément parti au poteau de corner. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être magicien. C'est bien joué en profondeur sur le côté. Elle fait incontestable. Timoshiuk. Il lui a piqué le ballon. Attention, c'est parti très vite. Très bonne inspiration sur cette passe. Oh, la belle occasion de but. Ballon brossé vers le but. Et but, c'est au fond. Incroyable, il marque juste après la pause. Quelle correction. Le match semble plié. Ils sont vraiment déchaînés. Ils dominent dans tous les compartiments du jeu avec beaucoup d'aisance. À 0, ouais. Franchement, ça roule tout seul. Là, on voit déjà que ça devient plus facile. Ils font la passe à 10, se créent des occasions. C'est un jour de gloire pour les attaquants. Le gardien a le jeu en main. Pour l'instant, ils se contentent de faire tourner le ballon au milieu de terrain. Ils ont du mal à trouver une faille devant. Ça peut passer à gauche, ça peut passer à droite, nous verrons bien. Encore une occasion de centrer. Très bonne maîtrise défensive. Thank you.
peuvent construire quelque chose. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Oh, ce coup franc est bien placé. Vont-ils tirer? L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Voici une belle occasion de tirer au but. Voilà, une occasion en or. Et c'est un corner pour eux. Il passe sous le nez du gardien. Là-bas! Quelle occasion en or! Van Gessel. Timoshiuk. Slot. On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période. Pour Timoshiuk. Ce débordement peut être intéressant. Le joueur est tombé, mais le jeu se poursuit. Encore une occasion de centrer. Il pique le ballon. Bien vu de la part du défenseur qui dégage en corner. La balle s'approche du but et le goal le laisse tomber. Faute indiscutable, coup franc normal. On se contre, il peut mener loin. Le décalage est fait. Il tente à nouveau sa chance. Encore un but juste après la mi-temps. Il ne s'arrête plus. Là, il nous a fait une frappe bien autre monde qui aurait pu trouver les filets. Heureusement qu'il a cadré, sinon il aurait pu nous blesser aux spectateurs. Ce doublé est mérité. Ce joueur est vraiment au top de sa forme. La finition est superbe. Ils sont déchaînés devant le but, 4-0. Et vu le match qu'ils sont en train de faire en attaque, je peux vous dire que les autres équipes, ils ont intérêt de visionner les matchs avant de les rencontrer. Il tire. C'est une super parade. Van Gessel. C'est une très jolie passe. C'est au-dessus. Il n'a pas pu contrôler sa frappe. Oh, un tel boulet de canon, ça aurait pu donner un but spectaculaire. Hein. Mais en général, ça manque de précision, ce genre de frappe. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. La domination est outrageuse, c'est impressionnant, de la passe à 10. Ils peuvent construire quelque chose. Ne pas oublier le placement, il est hors-jeu là encore. Le ballon sur l'autre aile. Il vise la cible. Au-dessus de la barre transversale, sans danger. C'est vraiment dommage que ce genre de centre ne trouve pas preneur.
L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Slot. Une telle cohésion est assez impressionnante, ce sont les milieux de terrain qui dictent la cadence. Bon dégagement. L'attaque est stoppée, ça ne donnera rien. Ils ont toujours le ballon, c'est vraiment bien joué. C'est un très bon ballon. C'est une frappe. Il peut encore avancer. La faute est manifestement délibérée. Coup de sifflet normal, il est hors jeu. Voilà un joli coup de tête. La touche est concédée, elle peut être dangereuse. Bien défendu. Slot. Timoshiuk. Slot. L'adversaire est un petit peu perdu, la position de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. Bien servi en profondeur par son partenaire. Attention en défense, ça va aller très vite. Joli appel en profondeur sur le côté. Nous sommes presque dans le dernier quart d'heure. Van Gessel. Il l'emporte dans ses duels aériens. Va-t-il trouver le bon timing ? Ah ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Encore une belle occasion. Remise en jeu. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Il doit trouver une solution. Tranquille pour le gardien. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Allez, bien joué. Que va-t-il faire? Une occasion de gâcher, c'est plutôt maladroit. Je crois que c'est pas de sa faute sur ce coup-là. C'est le gardien qui a fait la différence pour moi. De la défense. Un gros dégagement qui enlève tout danger. Il reprend le ballon maintenant. Ce contre peut être redoutable. Encore une occasion de centrer. C'est un beau jeu défensif. Qu'est-ce que c'est compact. Encore une belle occasion. Il est hors jeu, il ne faut pas oublier de revenir.
Il va sûrement marquer. Le gardien l'a détourné en corner. Ce ballon est bien haut. À quelques centimètres près, c'était bon. C'est encore au fond des filets. Quel sport fleuve, mes amis. Celui-là, Christian, je le connais bien. C'est un joueur qui n'avait pas marqué de but trop facilement. Alors il essaye toujours de toucher la transversale avant que le ballon rentre dans le but. Il s'agit de sa deuxième réalisation aujourd'hui. Franchement, il est en pleine confiance, surtout devant le but. Et comme le score l'indique, c'est vraiment un super résultat. Et s'il continue à marquer à chaque attaque, je pense qu'on va avoir un score de rugby à la fin du match. Long ballon en profondeur sur le côté. Pas moyen de passer cette fois. Cette équipe a vraiment perdu le nord. Ils sont désemparés. Ils auront bien du mal à refaire leur retard. Ça part à 200 à l'heure, c'est bien. L'arbitre assistant a levé le drapeau hors jeu. Il s'agit là de leur premier remplacement de la rencontre. Même s'ils gagnent, l'entraîneur fait du changement. C'est peut-être pour amener un petit peu de fraîcheur à son groupe. Positionnement, il est hors jeu. Encore une occasion de centrer. Ça peut faire mal, attention à ce coup franc. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Et bon, quelle reprise de volée! Oui, il y est arrivé! Quel bon joueur! Quelle technique individuelle! Franchement, bravo! Ça, vous avez vu, Christian, c'est le genre de frappe travaillée, nette, précise, claire, limpide, qui rentre directement. On ne peut que constater les dégâts. C'est une avance vraiment confortable. Ils peuvent construire quelque chose. Il tente sa chance. Nouvelle occasion de centrer. L'agressivité n'est pas bonne, coup franc. Les adversaires ne peuvent plus se permettre d'encaisser un seul but. Ça va peut-être rentrer. C'est presque cadré, quelle frappe. Dommage, c'était un coup franc qui était bien tiré. On ne sait pas exactement où il a voulu la mettre, mais c'était bien tenté quand même. Grosse erreur et coup franc. Ça ne va pas être facile d'ici. Cette passe profonde n'est pas franchement bien ajustée. Ils perdent la position du ballon. Long dégagement en avant. Une minute d'arrêt de jeu indique le tableau. Encore une occasion de centrer.
C'est fini. L'arbitre a sifflé. C'est la fin de cette rencontre. C'est fait. C'est donc une victoire à l'extérieur. Et c'est l'une des grosses performances du jour. Bravo.